En garde. Il ne restait que des débris et des cadavres par milliers. Nous l'avons vu de nos yeux vus. Les flots eux-mêmes étaient rouges de sang. On distinguait dans le sable les emblèmes de Carthage. Nous avons vu aussi les navires des Romains qui se dirigeaient vers nous, vers Syracuse. Ainsi, maintenant, nous seuls sommes libres sur la terre de Sicile. Syracuse est libre, mais elle est seule, entre deux peuples bien résolus à s'exterminer l'un l'autre. Ou Carthage détruira Rome, ou ce sera Rome qui détruira Carthage. Or, la Sicile est le pont indispensable pour prendre pied sur le rivage ennemi. Nous sommes pris dans un étau qui se resserre de plus en plus. Mais alors, selon toi, quel sort nous sera réservé, maintenant que les Romains occupent tout le reste de la Méditerranée? Rome, jusqu'à présent, a respecté ton sage gouvernement, Hiéron, et l'indépendance de Syracuse. Oui, parce que nos ouvrages de défense sur Terre sont quasi inexpugnables. Mais aujourd'hui, Rome, pour la première fois de son histoire, a vaincu sur mer. Et ses navires ont battu l'invincible flotte carthaginoise. Quelle attitude devrons-nous prendre si la flotte vient se ravitailler à Syracuse? Comment devrons-nous la recevoir? Je crois qu'il faudra l'accueillir. Ah, évidemment l'accueillir. Et l'accueillir le mieux du monde, selon les lois strictes de l'hospitalité. Les Romains n'ont rien fait contre nous. En tout cas, rien jusqu'à ce jour. Appelle à Archimède. Oh, si nous espérons qu'Archimède renoncera à sa solitude, autant confier angoisse et espérance au vent du lard. Mais comment se fait-il que nulle force au monde ne puisse arracher pour quelque temps ce génie à ses distractions? Ce serait une erreur. Pardonne-moi, mais c'est de ces distractions qu'Archimède tire toutes ses découvertes. Oui, tu défends ton ami d'enfance, Clio. Tu défends avec loyauté l'homme que tu aimes. Mais nous cherchons à comprendre l'attitude du citoyen, du patriote. Et tu crois que ces découvertes étonnantes ne profitent pas à notre cité? Elles profitent à sa gloire et n'apportent rien à notre sécurité. Tu es injuste envers lui. Combien de fois dans la solitude que vous lui reprochez, il a créé des machines de guerre? Laisse-le dans sa retraite, père. Allez! Où sommes-nous? Nous arrivons à Syracuse. Enfin. Je commence à en avoir assez de sillonner ainsi la Sicile. Avec toi et ce bruyant troupeau de danseuses, comme un mendiant. Les spectacles sont enfin terminés, ma chère. Le théâtre ferme ses portes. Et vois-tu, avec tout ce que je sais sur les arsenaux romains, et avec la collaboration d'une fille jolie et intelligente comme toi, je peux t'assurer que Syracuse est à ma merci. Je t'en prie, ne compte pas sur moi pour mettre tes projets malhonnêtes à exécution. Ah, je sais bien que tu n'as jamais su profiter des occasions qui se présentent. Écoute-moi, Diane. Les danseuses, on les réexpédie à Rome puisqu'elles en ont tant envie. Hein? Et toi et moi, on peut rester à Syracuse. Et devenir riches tous les deux, petite sœur. Oh, ne m'appelle pas petite sœur. Mais comment veux-tu que je t'appelle? Impératrice d'Arabie.
Ce n'est pas ma faute si mon père a épousé la pauvre veuve qui était ta mère. Non. Non, mais moi, j'ai eu tort de te suivre. John, souviens-toi que je t'ai empêché de crever de faim. Et si j'avais pas été là... Si je ne t'avais pas emmené avec cette troupe-là, au lieu de danser pour les soldats qui sont cantonnés en Sicile, peut-être serais-tu esclave à Célinonte. Ça vaudrait peut-être mieux. Eh bien, où vas-tu? Il fait chaud, je vais me baigner. Qu'est-ce qu'il y a, Gorgia? Remplissons les amphores d'eau fraîche. Hé! Regardez comme les dieux sont généreux en Sicile. Vite, les enfants, prenez les corbeilles, nous ne pouvons pas refuser une offre pareille. Regardez, des poires, des pommes, des cédrats, des figues de barbaille. Tu as une préférence? Non, je n'ai pas de préférence quand le fruit est à maturité, c'est comme pour les belles filles, d'ailleurs. Et quand le fruit est vert? Il est encore plus appétissant. Mais plus lourd à digérer. Il suffit toujours de ne pas abuser. De fruits ou de figues, Gorgia? Toute la beauté, en général. Jusqu'ici, je croyais que les nymphes existaient uniquement dans la mythologie. Est-ce que c'est toi qui as brûlé ma tunique? Ta tunique? Où l'avais-tu posée? Là-bas, sur le rocher. Cette fois, j'ai trouvé enfin mon erreur. C'était tout simplement une erreur d'observation et de calcul. Le faisceau lumineux qui donne la source de chaleur ne se concentre pas là, mais beaucoup plus loin. Combien de fois t'ai-je répété que tu ne sauras jamais compter? Mais qu'est-ce que cela? Ce morceau de tissu brûlé change toutes mes déductions. Le feu du faisceau lumineux se trouve projeté. Oui, c'est bien le mot projeté. Ceci nous ouvre des horizons immenses. Il est reporté à l'infini. Regarde ça. Jusqu'ici, je m'étais complètement trompé dans l'évaluation des distances. Mais cette fois, j'ai trouvé. Je ne sais pas ce que tu as trouvé et qui te réjouit tant, mais tu avais vraiment besoin de brûler ma tunique? C'est merveilleux. C'est stupéfiant. Tu es le symbole de mon expérience réussie. Oh, écoute, maintenant, ça suffit. Assez de paroles. Pense plutôt à remplacer ma tunique que tu as brûlée. Désormais, ta tunique est entrée dans l'histoire du monde. Et qui va me la remplacer? L'histoire? C'est toi qui l'as brûlée. Non, c'est plutôt le soleil. Ne dis pas de sottises. Le soleil réchauffe. Le soleil ne brûle rien sur la terre. Si. Mais quand il se réfléchit là-dedans,
tu vois dans ces miroirs. Regarde. Oh, je m'en suis aperçue. Ah oui, tu as raison. C'est à toi. Pour remplacer ta tunique. Ça te plaît? Oh, que c'est beau. Ces broderies sont admirables. Oh. Oh. J'ai un curieux visage dans des miroirs. Tu n'arrives pas à t'en les dire, même par jeu. Étranger, tu sais dire les mots qui plaisent aux femmes. Que fais-tu dans la vie quand tu ne brûles pas les vêtements des gens? Oh, je pense. Je vois que tu as quand même du temps à perdre. Tu es de Syracuse? Oui. Comment t'appelles-tu? Archimède. Et toi? Diane. Mais c'est le nom d'une déesse que les Romains vénèrent. Tu es romaine? Non, je suis de Célinonte. Mes parents sont morts déjà depuis longtemps. Je voyage avec mon frère Gordian. Nous jouons la comédie, nous dansons. Tu aimes ça? J'aimais ça. C'est étrange. Je te parle comme si je te connaissais depuis toujours. Tu as déjà beaucoup souffert. Quel âge as-tu? 20 ans. Alors ta jeunesse doit te permettre d'oublier tout le mal que la vie t'a fait. Regarde. Regarde comme la nature est belle. Ces montagnes, ces bois ombragés. Diane! Diane! Il faut que je te quitte. Non, pas encore. S'il le faut, il va se mettre en colère. Quand nous reverrons-nous, Diane, réponds-moi! Un jour, nous nous rencontrerons! Elle est vraiment belle. Elle brûle Tirésias, plus que le soleil. Oh, déjà amoureux? Comme d'habitude, cela durera une semaine. Ne crois pas ça, Tirésias. Pas cette fois. Décidément, c'est le jour des prodiges. Je suis bien heureux que tu sois venu. Oh, maintenant, on peut t'appeler l'homme des cavernes. Pour te voir, il faut faire une longue route. Je suis sur le point de faire une grande découverte, Clio. Un des rêves les plus chers aux hommes est en train de devenir une réalité dans mon esprit. J'admire ton génie, Archimède, mais quelquefois, il m'effraie aussi. Et pourquoi? Je ne suis pas le dieu des enfers. Mais ta frénésie d'invention te tient éloigné de moi un peu plus chaque jour. Tu as raison. Tu as raison, Clio. Quand on aime, on voit le danger partout. Pourquoi? Un danger me menace? Non. Non. Tu aurais tort de t'inquiéter. Il n'existe aucun danger. Mais j'ai peur du nuage qui passe entre nous, parce que le nuage qui passe devant le soleil précède généralement la tempête. Mon père t'appelle à Syracuse. Il a besoin de toi. Dernièrement, il a changé, lui aussi. C'est la vie qui modifie notre façon habituelle de penser, de voir les choses. Oui, tu as raison. Tes pensées ont changé? Non, pas envers toi. Tu verras. Nous nous retrouverons mieux tous les deux dans la foule de Syracuse que dans le calme et la solitude. Je viens. Thank you.
Rome, je te remercie pour l'accueil que j'ai reçu ici, à Syracuse. Aujourd'hui, Rome commence à être à son tour une redoutable puissance sur mer, comme elle l'est déjà sur terre. Marcellus, voici Archimède. Ta réputation est venue jusqu'à nous. Je dois te dire qu'à Rome, on essaie de comprendre comment tu arrives à inscrire dans des lois géométriques précises ce qui, depuis toujours, semble échapper à la raison. Tu bouleverses tout, tant en mathématiques qu'en astronomie. Et l'on dit que ton savoir est infini. C'est un trait de génie qu'a eu votre consul Julius. Quelle trouvaille que de faire accrocher les navires carthaginois et de transformer un combat naval en une bataille terrestre. Eh oui. Les puissances sont corrompues par leur richesse et presque tous deviennent aussi vulnérables, aussi lâches et plats que des mollusques. Une jolie fille peut, sans difficulté, d'un seul regard ensorceleur, les mettre à ses genoux et obtenir de tout ce qu'elle veut. Voyons, qu'est-ce que ça te coûte, petite sœur? Je comprends tes soucis et tes craintes, Fion. Mais je ne suis pas qualifié pour répondre à la question que tu me poses là. Pourtant, il y a une chose que je peux te dire en toute honnêteté. Rome ne cherche pas d'ennemis. Elle a bien assez de Carthage. Donc, la paix pour Syracuse, c'est la neutralité. Bien que Syracuse soit et reste l'ami de deux ennemis. Bon, naturellement, je suis tout prêt à envisager de partager avec toi, si c'est ce que tu veux. Non. Hiéron ne doit pas s'attendre à savoir par moi ce que Marcellus ne lui dira jamais. Tu vas faire monter tout le monde? Mieux vaut les marchands et les femmes sur les navires que les soldats à terre. Tu ne les laisseras pas descendre? Si, juste avant de partir pour Rome. Mais ce sera par petits groupes, afin de ne pas troubler l'ordre de la cité. Je crois que tout ce que Syracuse compte d'étrangers s'est donné rendez-vous ici. Phéniciens, Chaldéens, Assyriens. Oui, j'ai déjà reconnu une bonne dizaine de voleurs que j'ai fait condamner à la prison, et une vingtaine de femmes parmi les moins vertueuses. Et je sais aussi que j'en retrouverai sans doute plus d'une dans la cale dès que nous serons au large. Tu n'as pas fait la leçon à l'équipage? Si, mais je ne peux pas prétendre imposer une stricte discipline après la bataille. Les marins vont dilapider en quelques heures la prime que la victoire leur a rapportée. Les voilà! Attention, attention, mes divines! Dans un moment, ce sera à vous! Les voilà! Voilà, c'est le moment! Oh, noble et puissant souverain, acceptons ce jour de joie et de fête, la modeste offrande que te fait un pauvre marchand. J'ai des joyaux rares et curieux qui viennent d'Asie et de Rome. Hé, toi, laisse-le! Si tu me permettais de venir te voir à ton palais, je t'apporterai avec ces précieuses parures la preuve de mon dévouement. C'est bien. Tu pourras venir. Merci, grand roi. Oui, Archimède. Il est retourné à bord. Il ne connaît aucune règle, aucune loi. Rentrons. Tu es triste, Seigneur. Tu sais, je peux t'aider à chasser ta tristesse, si tu veux. Regarde ce collier. Il embellira encore la femme que tu aimes. Une obole, mon beau Seigneur. Une obole pour les danseuses de Célinonte. Tu ne peux pas refuser. Pourquoi? Ce sont les filles de Terpsichore. Oh, merci. Thank you.
Viens avec moi. Reste avec nous, dans son cœur. Allons, venez, venez avec moi, vous verrez, on ne s'ennuiera pas. Où as-tu volé cette médaille? Oh, je ne l'ai pas volée, elle est à moi. Inutile de nier, je sais d'où elle vient et qui la porte. Je le sais aussi. C'est l'insigne des charpentiers qui travaillent dans les arsenaux romains. Je l'ai portée pendant 2 années. Je suis phénicien et c'est de nous que les Romains ont appris l'art de construire les grands navires. Comment puis-je te croire? J'ai connu un de tes informateurs à Rome. Il s'appelait Ménandre Tiburtin. Il avait l'index de la main gauche coupé. Je l'ai revu il y a peu de temps qui franchissait le seuil de ton palais, mais cette fois, il portait un grand manteau tissé d'or et de pourpre. Serais-tu venu simplement pour me dire oh, ça? Non, certes pas. Alors parle. C'est que quelle marque tangible recevrais-je de ta bienveillance? Combien veux-tu? Oh, je me contenterai du titre officiel et de la pension que tu réserves toujours à tes conseillers. Ah, tu peux aussi refuser. C'est bien, parle. As-tu déjà envisagé une attaque par mer? Non. On l'a envisagé à Rome. Et c'est en fait ce que l'on prépare dans les arsenaux. Mais pour Carthage, Marcellus disait... Marcellus dit des choses qu'il ignore, ou peut-être il te cache ce qu'il sait. Marcellus travaille pour Rome. Mon maître à moi, c'est celui qui me paie le plus. Maintenant, Rome est fatiguée. Profitons de ce moment pour préparer de nouvelles défenses dans le port et le long des côtes. Rome ne sera satisfaite que lorsque tous les soldats du monde porteront la même armure. L'armure romaine. J'avais tant désiré l'amour. Mais je ne savais pas qu'il pouvait apporter ce merveilleux bonheur qui me grise. Et cette peur qui m'attriste. De quoi as-tu peur, Diane? Je ne saurais te dire. C'est peut-être d'avoir vu tout ce sang figé sur l'autel. Peut-être est-ce l'orage qui se déchaîne au-dessus de nos têtes comme un présage de malheur. Diane, je t'aime. Je t'aime. Et je n'aimerai que toi. Les dieux sont contre nous. Peut-être nous envient-ils. Regarde, Archimède. Regarde comme il est joli. Comment est-il possible que son sacrifice soit nécessaire pour calmer le courroux des dieux?
Alors, alors, laissez-moi passer. Allez, je vais plus loin. Allez. Hola, hola, du vin pour tout le monde, c'est moi qui parle. Et du vin de l'Etna surtout, fort et amer. C'est pour des Romains, des marins d'eau douce. Asseyez-vous, mes amis. Mordia, Ionia, venez. Venez, filles au pied léger. Ah, vous allez voir, mes amis, vous allez voir. Elles sont belles comme des fleurs qui vont éclore sous le brûlant baiser de l'aurore, comme du corail rose ou des pierres précieuses. Leur parfum est enivrant comme celui de ce vin de Sicile. Ah, qu'en dis-tu, timonier? Tu voudrais bien naviguer sur des mers habitées par ces gracieuses sirènes. Quoi? Tu veux une crétoise? En voilà une, regarde. Les plages de Crète se sont effacées à jamais depuis que de l'écume des flots est sortie cette nouvelle Aphrodite. Elle est pour toi. Ou méfie-toi. Méfie-toi, Romain, elle a des écailles. Eh bien, ne sens-tu pas cette odeur? L'odeur des goémons et des algues, non? Alors, il vaut mieux te noyer dans des flots de vin. Oh, admirez ces deux-là. Mais n'approchez pas, surtout, elles sont belles mais dangereuses. Regardez-les bien. Voyez, elles ont des ongles acérés comme ceux des panthères. Elles griffent et la serrent. Elles viennent des rives de la Caspienne. Et alors? Comment et alors? Est-ce qu'on ne connaît pas à Rome l'esprit agressif de tous les Perses de l'histoire? Oh, le teint sombre. Une égyptienne. Parmi les divinités égyptiennes, il y en a une noire, la déesse de la nuit. Soldat, soldat, qu'en penses-tu? Est-ce là une simple illusion? Ou bien as-tu devant les yeux la déesse en personne, hein? Tu la veux? Tiens, elle est à toi! Et voici pour terminer les trois gras. Oh, elles sont jalouses. Pressez-vous, choisissez, mes amis, laquelle des trois? Et voilà! Divertissez-vous, Romain! Qui sont-elles? La troupe de Gorgia. Celle qui dansait avec moi. Où vont-elles donc? À Rome. On m'a demandé à moi aussi si je voulais y aller. Hein? Et qu'as-tu répondu à cela? Mais on m'a dit des choses intéressantes. Rome est une cité riche et merveilleuse, une cité habitée par des hommes raffinés. Alors pourquoi as-tu refusé? J'ai encore le temps de changer d'avis. Ensemble et nous jurions de ne jamais nous quitter, même pour un instant. Père! Ah, nous l'avons fait venir en parlant de lui. C'est un bon signe, Clio. Tes yeux brillent aujourd'hui. Tu vas me donner une bonne nouvelle, toi. Oui, père. Tu as deviné. Nous parlons de ça tout à l'heure. Regarde qui est là. Laisse-moi seul avec lui un moment, veux-tu? Ses visites sont si rares maintenant. Toi, bientôt, tu l'auras pour toute la vie. Tirésias, tu parais inquiet. Oh, je suis fatigué. Archimède était pressé d'arriver et il a oublié que je n'ai plus 20 ans. Non, non, ce n'est pas cela. Tu es préoccupé. Je ne t'ai jamais vu ainsi. Pourquoi as-tu cet air soucieux? C'est à cause d'Archimède, n'est-ce pas? Mais crois-moi, je l'aime, père. Ça, je le crois. Sinon, tu ne serais pas venu me dire que tu voulais l'épouser tout de suite, alors que tu avais donné ta parole avant à la fille du roi de Syracuse. C'est toi qui la lui as donnée. C'est juste. C'est moi qui suis coupable.
J'ai été trop confiant. J'aurais dû me dire que les amours d'enfance ne peuvent durer toujours. Père, je parlerai à Clio. Non, c'est à moi de le faire. Demain, avec le jour nouveau. Quand les choses seront claires pour tous, pour toi et pour moi. Elles sont claires. Clio, je disais justement à mon fils que... Non, tu ne peux pas forcer ses sentiments. Pas plus que je ne peux le contraindre à faire ce qu'il ne veut pas. Clio, écoute-moi. Oh, que me dirais-tu que je ne sache déjà? Peut-être. Peut-être quelques paroles de pitié pour ton père et pour moi. Il ne me reste qu'un seul désir. De savoir heureux. Clio. Non. Va la rejoindre, ne la fais pas attendre. Tirésias a préparé vos chevaux. Je lui en ai donné l'ordre. Archimède, les Romains. Ne t'inquiète pas, nous ne sommes pas ennemis. Non, mais j'aurais préféré ne pas les rencontrer. Ave, nous sommes de Syracuse et nous retournons chez nous. Mon nom est Archimède et voici mon maître Tirésias. Montrez-moi votre sauf-conduit. Voilà. Elle tient? Je n'ai pas ici, mais la parole de mon compagnon suffira. J'espère, il pourra me servir de... Je suis persuadé que le commandant de la garnison ne fera pas de difficultés. Mais ce n'est pas à moi, c'est à lui de décider. Il va falloir nous suivre. Mais il faut que je retourne à Syracuse. Vous êtes en territoire romain. Et ici, ce sont des lois romaines. Non. Nous verrons bien jusqu'à quand. Ah, calme-toi, Archimède, c'est inutile. Il n'est pas encore rentré? Non. Qu'en penses-tu qu'il va... Qui sait, quelquefois quand ils s'en vont, ils ne rentrent qu'au bout d'un mois. Et ils se fâchent encore si je ne suis pas là à leur retour. Un mois. Tiens. De 20 chiffres. Quoi, pour un baiser, je t'en offre une bouteille. Où vas-tu comme ça, ma belle? Tu pourras faire attention. Le cœur des dieux est écrit mon destin. Et mon cœur nage dans une coupe de vin. Archimède présente ses hommages à l'élu de son âme. T'ai-je beaucoup manqué, ma chère? Oh non! Et un, et deux, et trois. Prends donc tes doigts pour compter. Quatre. Voyons, depuis combien de jours ne se montre-t-il plus? Hein? Et toi, tu attends. Et tu remplis tes poches d'étoiles. Elle va les vendre au marché. Je serais curieux de savoir combien on t'en donne. Tais-toi! Je ne peux pas faire deux choses à la fois, tu m'excuseras. Pour l'instant, je parle, alors... Je parle. Je parle parce que... ça me fait mal. De te regarder, de te voir dans cet état, victime d'une illusion. Oui, l'illusion que tu pouvais être un jour une femme pour un homme comme celui-là. Non, oublie-le.
Je ne peux pas. Et même si je le voulais, ce serait impossible parce que j'attends un enfant de lui. Est-ce que tu as bien réfléchi à ce qui va se passer? Tu savais qu'Archimède devait épouser Clio. Clio, la fille du roi Hiéron. Cet enfant signifie la ruine. Oh, pas la tienne, sans doute. Mais la mienne, tu comprends? Parce que je serai mêlé à cette histoire. Mais j'ai l'honneur de t'avertir tout de suite que je n'ai aucune intention, mais aucune, de voir mes projets ruinés par tes bêtises. Malgré toute la joie que j'ai à la pensée d'être oncle. Appelle-le Gorgia. En souvenir de ton frère bien-aimé. Parce que j'ai une vague idée que nous ne nous reverrons plus souvent, nous deux. Le centurion dit que personne ne peut plus passer sans sauf-conduit. Mais par mesure spéciale, vous, vous êtes libre. Enfin, après plus d'un mois. Dites-moi, où est la taverne des Trois Phéniciens? C'est là, noble passant, en face. Merci. Calme ton courroux, Archimède. Ce n'est pas nécessaire. Où est Liane? Ah, tu arrives comme toujours, miraculeusement. Elle n'est pas là. Je vois que les dieux sont avec toi, Seigneur. Où est-elle? Réponds. Je t'en prie, ne dédaigne pas la bonté des dieux. Ils t'ont sauvé d'un grave danger et tu t'obstines à la chercher. De quel grave danger parles-tu? Que veux-tu dire? Mais si ta passion est si violente, je vais te conduire à Rome immédiatement. Et alors Diane sera l'apaisée. Mais pour ça, Seigneur, il faudra que tu l'honores de ta visite dans une de ces accueillantes maisons des faubourgs. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas vrai! Tu mens! Mais non, pourquoi est-ce que je te mentirais, Seigneur? Pour ôter à ma petite sœur la possibilité de se faire un peu d'argent. Pense au rang que tu occupes à la cour de Hiéron. Et dis-moi si j'ai tort de te parler d'un grave danger évité. Et moi, j'ai été spolié deux fois avec cette histoire-là. Comme frère, d'abord. Et comme acteur, ensuite. D'ailleurs, j'ai décidé d'abandonner le théâtre. Bientôt, je serai à la cour. Je te serai utile à ce moment-là. Si tu as besoin de moi, n'oublie pas. En vérité, il faut toujours prendre ce que les dieux nous donnent. On m'a dit des choses intéressantes. Rome est une cité riche et merveilleuse, une cité habitée par des hommes raffinés. Alors pourquoi as-tu refusé? J'ai encore le temps de changer d'avis. Où sommes-nous? Sur un navire romain. Pourquoi? Qui nous y a amenés? Je t'assure que je t'ai pas apporté dans mes bras. Alors, si tu veux la vérité, c'est ton frère Gorgia. Tu dormais et il nous a dit que tu étais ivre. Après tout, tu as peut-être un peu trop célébré le départ. Hein? Non, c'est pas vrai. On a dû me faire boire quelque chose. Garde! Garde! Je veux sortir! Qu'est-ce que tu as? T'as pas bientôt fini de crier? Je veux partir! Qu'on me donne une barque et qu'on me laisse partir! Il faut que je retourne à Syracuse! Syracuse! Oh! Oh, la pute, il l'a tué!
Quel brute! Qu'est-ce qui se passe? Marcellus! Qu'est-ce qu'il y a? Il lui a donné un coup de pied. Elle voulait sortir. Elle a l'air d'être morte. Mettez-le aux arrêts. Comment s'appelle-t-elle? Aucune de vous ne la connaît? Hein? Allez, ramez! Aussi belle. C'est grave. Je ne peux rien dire pour l'instant. Oh, je suis désolé. Tu sembles être faite pour moi. Tu mérites tant et je ne peux rien te donner. Cela ne fait rien. Tu viens de me dire des mots qui me consolent. Clio, j'ai besoin de toi. Toi seule aujourd'hui pourras me sauver. Sa mémoire a complètement sombré. C'est incroyable. C'est la conséquence du choc qu'elle a subi. Mais tout ce qu'elle a pensé avant, vu avant, souffert avant, tout son passé, comment tout cela s'est-il évanoui? C'est comme un coup de vent imprévu qui s'élève dans un jour d'été, il emporte jusqu'au souvenir de la chaleur, mais à peine le vent est-il tombé quelque peu, que la chaleur revient. C'est merveilleux. Et le mystère la rend encore plus attirante. Attention, Marcellus. Le passé de cette femme peut cacher on ne sait quel infâme mystère. Qu'importe. Pour moi, elle naît aujourd'hui. Quand doit-on arriver? Ce soir, nous verrons la côte. Curieux. Quand je pense que ce sera la première cité, la toute première que je verrai dans ma vie. Dans ta nouvelle vie? Ah oui. Je t'appellerai Lucrèce. C'est le nom de la femme la plus fière que Rome ait jamais eue. Mais je pense que ce nom n'est pas celui qui convient à une esclave. Non. Seulement ta douceur, la délicatesse de tes pensées méritent un autre sort. Ton esprit a changé peut-être. Et non ton cœur. Comment sais-tu cela? Mais il suffit de te regarder. S'il est vrai que les yeux sont le miroir de l'âme. Hiéron a une fois encore accédé à tes raisons. Ce sera une cérémonie presque secrète. Il n'assistera pas à ce mariage. J'avais tant désiré l'amour, mais je ne savais pas qu'il apportait à la fois ce merveilleux bonheur qui me grise et cette peur qui m'attriste. Qu'est-ce que tu as? Je t'en prie, Clio. Aide-moi à t'aimer comme je voudrais t'aimer. Ainsi, Zeus et notre mère Héra
se sont montrés propices à votre union. En vous vivent les traditions et le génie de la race des Syracusains. Par votre amour, ces valeurs inestimables seront transmises aux générations futures. Et le Sénat, après en avoir délibéré, ont fixé leur choix. Ils ont élu comme nouveau consul de la République Claudius Marcellus. Pour lui de ce triomphe. Il est certainement protégé des dieux pour avoir trouvé une femme comme toi. Non, c'est moi qui ai eu de la chance, Sylvie. À qui ai-je appartenu avant qu'il m'épouse? Qui est le père de mon premier enfant? Lui et moi, nous faisons tout pour oublier ce passé. Mais parfois, il y a une ombre dans ses yeux, et dans les miens aussi. Tu ne dois pas évoquer ces choses, cela ne résout pas la question. Vis tranquille l'existence que les dieux t'ont assignée. Tu as raison. Ce luxe et l'amour de Marcellus devraient faire de moi la plus heureuse des femmes. Aujourd'hui, c'est la consécration de tout ce à quoi j'aspirais. Mais pendant un moment, je me suis imaginé sans toi, et tout était néant, poussière. Si je savais dire des choses aussi jolies. Mais toi, tu sais si bien enrichir, embellir ma vie. Tu m'apaises si je suis en colère. Tu me réconfortes si l'amertume m'envahit. Tu m'as offert la chose la plus belle qui soit au monde. L'amour. Où est Marcus? Avec Maxime. Il me voudrait toujours à côté de lui. C'est vrai, il a tout à fait ton caractère. Il a besoin d'affection. Il a besoin de tendresse. Oui. Il doit être réveillé. Tu vois, Marcus, Maxime a déjà les grands yeux rêveurs de ta maman. Il a surtout l'expression volontaire de son père. Ils vous ressemblent tous les deux, mais pas à moi. Je les aime autant l'un que l'autre. Je ne fais aucune différence. Marcus est mon fils autant que Maxime.
Clio, écoute. Je t'en prie, non. Je sais d'avance les paroles que tu vas trouver. Je me les suis dites à moi-même en apprenant qu'il était mort. C'était le seul espoir qui nous restait. Un enfant. Mais les dieux ne l'ont pas voulu. Et maintenant, tout est fini. Tout est fini. Il ne faut pas parler ainsi, Clio. Je suis là, près de toi. Je suis avec toi. Et je ne te quitterai pas. C'est de la pitié, Archimède. Tu as pitié de moi. Tu as toujours eu pitié de moi depuis 6 ans que tu m'as épousée. Il y a tant de choses qui aident à supporter même la douleur. C'est ce que je sens en regardant Syracuse du balcon de ce palais. Quand j'ai des ennuis, je songe à ce peuple qui m'honore, à tous ces braves gens qui me parlent comme à un père et qui me font confiance. Et ces braves gens aujourd'hui sont en péril. Mais pour te distraire de ta peine, tu peux m'aider. Comment cela? Les nouvelles qu'apporte Gorgia sont de plus en plus alarmantes. Gorgia? Comment peux-tu faire confiance à un être aussi ignoble? Grâce à toi, il devient chaque jour plus puissant. Pour gouverner, il faut aussi des hommes comme Gorgia. Souviens-t'en, Archimède, quand tu seras à ma place. Ni moi avec ma sagesse, ni toi avec ton cerveau génial n'avons vu le danger. Nous étions aveugles. Pas lui. Lui seul avait prévu ce qui est en train de se préparer en secret. C'est lui qui m'a dit qu'un jour, toutes ces armures seraient d'un modèle unique, celui de Rome. Pour les Romains comme pour les Carthaginois, notre neutralité est une chose nécessaire. Elle était nécessaire quand leur force était à peu près égale. Maintenant, la balance penche du côté de l'épée de Rome. Et Syracuse représente un obstacle gênant qui coupe leur chemin. Et il n'y a aucune solution, à ton avis? Je crois que Syracuse ne pourra survivre que si nous décidons Rome à transformer la neutralité en un pacte d'alliance. Oh. Oui, Archimède. Va à Rome et essaie d'arracher ce traité. Va et apporte-moi la nouvelle avant ma mort, si tu peux, pour la sauvegarde de notre peuple. Sois le bienvenu, Archimède. Je te salue et Rome te salue en ma personne. Je suis sûr que grâce à ton voyage, les raisons de l'animosité qui divisait nos deux peuples seront éclaircies. Je te remercie au nom de Syracuse. Même si certains hommes menacent la paix par leur orgueil insatiable, j'ai la conviction que le peuple, lui, ne mérite ni le mépris, ni la haine. Sauvez-vous, sauvez-vous vite! Oh, il est beau! Tu as vu ses yeux? Oh. Taisez-vous! Mais pourquoi est-il si célèbre, cet étranger? Venez! Tu as entendu toi-même l'opinion du Sénat. La proposition de Hiéron sera acceptée. Maintenant, vous avez la preuve de notre profond désir de paix. J'ai fait préparer pour toi la meilleure aile du palais. Que le repos te soit propice. Merci, Marcellus. Étranger, je ne comprends pas ce qui t'arrive. Il faut donc que tu aies perdu la mémoire. Rome a réussi à te tourner la tête. Syracuse est loin, je vois. Oublié, déjà. De quel droit me dis-tu des choses pareilles? Que me veux-tu? Combien les Romains t'ont-ils payé, avoue? Combien Marcellus t'a-t-il donné pour te garder chez lui? Cela suffit. Je ne tolérerai pas un mot de plus. Je suis la femme du consul Marcellus. Sa femme? Tu te repentiras de cet affront. Va-t'en! Comment tu sais? Quel si
sinistre plaisanterie du destin peut avoir arraché à moi. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ne me le demande pas. Je ne sais pas. Je ne saurais très bien. Dès l'instant où je suis tombée, poussée par le garde dans la cale du navire, jusqu'à aujourd'hui, tout ce qui avait été ma vie s'est effacé. Gorgia. Oui, ça, j'en suis sûr. Maintenant, je comprends ses paroles. C'est lui qui t'a fait partir. Mais comment t'a-t-il contrainte à monter sur ce navire? Je crois qu'il m'a droguée dans ma chambre et je me suis retrouvée à bord sans avoir repris conscience. Et je t'ai perdue. Non, je suis là maintenant. Tu n'as plus à avoir peur. Je t'emmènerai avec moi. Je parlerai tout à l'heure à Marcellus. Il comprendra que dans ton cœur, il n'y a plus de place pour un autre sentiment. Mais je dois tout à Marcellus. Il aime Marcus, l'enfant que tu m'as donné, comme son propre fils. Je suis sa femme, il a su me rendre heureuse. Et je l'ai aimée. C'est impossible. Mais enfin, nous avons été heureux, Diane. Nous le serons davantage encore. Aucun homme équitable ne pourra plus contrarier notre bonheur. Non, c'est impossible. Marcellus. J'ai tout entendu. Tu n'as plus rien à me dire. Je ne veux chercher aucune justification ni discuter avec toi. Parce que je comprends que tout ce que tu as dit là est peut-être exact pour notre malheur à tous. Mais il y a quelque chose de plus important que moi et que toi, et qui m'oblige à parler. Quoi que tu aies à me dire, rien ne pourra changer ma décision. Aucune raison n'est plus importante que la réalité. Non, Marcellus, il n'existe plus de devoir. Peut-être pour toi, mais moi je n'aspire pas à être un génie. Elle s'appelle Diane et c'est la mère de mon fils. Mais sous le nom de Lucrèce, elle m'a donné un autre fils. Écoute-moi, Marcellus. Diane et mon fils doivent venir avec moi. Non, ton fils est né et a grandi loin de toi. Il a été élevé avec d'autres gens. Marcus! Ce serait une chose terrible que de lui dire la vérité. Il a appris maintenant à considérer un autre homme comme son père. Il apprendra que c'est moi qui suis son père. Mais j'aime mes deux enfants. Ils sont mes fils tous les deux. Mère! Ici. Il est retourné chez lui dans la montagne. Pourquoi? Que s'est-il passé à Rome? Il l'a retrouvé. Il l'a ramené à Syracuse. Non. Mais il l'aurait fait si cela avait été possible. Vois-tu, Tirésias? Les dieux ne pardonnent pas. Il est inutile de se leurrer. Il est inutile d'espérer. Leur courroux ne connaît pas d'apaisement, ni de limite. Personne ne pouvait prévoir cela. Bien sûr. Seul le destin savait et se préparait. Il resserrait autour de nous le filet qui nous prendrait un jour, qui nous étoufferait, qui nous ferait souffrir, lui et moi. Et pourquoi ne l'a-t-il pas amené ici? Ce martyr au moins serait fini. Il faut que je le voie. Non, n'y va pas maintenant. Laisse le temps faire son œuvre. Ce n'est pas mon sort qui me préoccupe, Tirésias, mais le sien. Passa. Plus de 10 ans s'écoulèrent. En apparence, rien n'avait changé. Mais les sentiments vrais n'abdiquent pas devant l'habitude. Tu dois te dominer. Nous ne pouvons pas vivre avec cette ombre qui plane entre nous. Si tu savais à quel point j'aimerais qu'elle n'existât pas. C'est aussi une souffrance pour toi que de supporter la vie que nous menons. Mais si je le fais, c'est pour nos enfants. Non, je ne peux pas te croire. Nos fils ne sont pas la seule raison de ton attitude. C'est vrai, j'aurais dû le tuer. La pitié ne sert à rien, on oublie ceux qui sont morts. Les vivants gardent jusqu'au bout une espérance. Et toi, tu vis depuis dans l'attente que cette espérance illusoire se réalise. J'aurais dû mourir. C'était la solution la meilleure. Tu ne souffrirais plus maintenant. Je ne serais pas malheureuse comme je le suis.
la destruction de Syracuse est la première étape vers la destruction de Carthage. Maintenant que Hiéron est mort, la cité est entre les mains d'un aventurier, Gorgia, et d'un illuminé, Archimède. Nous ne pouvons pas permettre que la sécurité de notre cité florissante ou que l'issue de la guerre que nous préparons soit encore menacée par les intrigues sournoises de ces deux hommes, ennemis des Romains. C'est pourquoi je vous ai invité à venir délibérer d'urgence et voter la déclaration de guerre à cette partie séditieuse de la Sicile qui ignore encore ce que sont l'autorité et la loi des Romains. Tes propos me surprennent beaucoup, Marcellus. C'est toi qui as toujours prétendu qu'il était indispensable de garder un état neutre entre nous et Carthage. C'est toi qui, pendant des années, malgré l'opposition de tous, toi seul qui as défendu l'indépendance de Syracuse, tu as systématiquement écarté les projets qui tendaient à l'annexion de ce port stratégique. Nous avons laissé passer les moments les plus favorables. Pourquoi veux-tu la guerre aujourd'hui? Parce que rien n'est immuable ni éternel en ce monde. Ce qui paraît juste aujourd'hui peut ne plus l'être demain. En effet, il y a fort peu de temps encore, Syracuse ne conspirait pas contre Rome et ne recherchait pas l'amitié de Carthage. Comment as-tu appris ce revirement politique de Syracuse? J'ai des informateurs. Et j'ai l'intention d'en envoyer d'autres avant d'entreprendre quoi que ce soit, afin de vous donner la confirmation de ce que j'avance. Tu as parfaitement raison. Qui veux-tu envoyer comme informateur? Oui, à qui as-tu pensé? Nous les choisirons d'un commun accord. Il faut envoyer ton fils, Marcus. C'est le plus audacieux et le plus intelligent de nos jeunes élites. Oui, oui, c'est un bon choix. Nous mettrons ainsi à l'épreuve son courage et ses mérites. Oui. Si telle est la volonté du Sénat, je n'ai aucun droit à m'y opposer. C'est une mission importante, et je suis fier qu'on me l'ait confiée. Mais ne me regarde pas ainsi. Souris-moi, père. Tu es un grand soldat, et j'en suis peut-être un moi aussi, qui sait. Quand je rentrerai de Syracuse, je t'expliquerai dans le détail mes péripéties. Je crois d'ailleurs que ce sera moins périlleux que tu ne le crains. On m'a dit aussi qu'à Syracuse, la mer était d'une pureté inégalable. Je crois que je vais faire un beau voyage. Comme un vrai marchand grec à la recherche d'argent à gagner. Marcus. Tu pleures encore. Ne sais-tu pas que les larmes de femmes portent malheur? Comment as-tu permis cela? Qu'il parte pour Syracuse, chargé d'espionner son père. Oh, Marcellus, c'est la punition des dieux. Cordage de proue! En faisant converger en un seul point les rayons du soleil reflétés par chacun de ces miroirs, nous aurons capté à la fois la lumière et la chaleur et pourrons les projeter au loin. Vous allez voir. Depuis des années, les dieux ont eu pitié de ma douleur et m'ont alors révélé cette immense puissance ignorée des hommes. Regardez. Regardez. Je peux la diriger où je veux. Où je veux, j'amène la destruction.
Allez, allez! Vite, vite! Allez! Allez! Nous sommes découverts. Que celui qui échappera prévienne le consul. Au voleur! Au voleur! Arrêtez-les! Témérité de la jeunesse, tu vois. Tu t'es fait des illusions. Comment pouvais-tu penser débarquer à Syracuse et t'y promener comme un voyageur en toute tranquillité? Tu avais oublié que nous avons aussi nos informateurs et qu'ils nous avaient annoncé ton arrivée avant même que tu sois parti de la cité romaine. Alors pourquoi es-tu ici? Qu'est-ce que tu veux savoir exactement? Eh bien, exactement, et pour commencer, ton nom. Ils ne valent vraiment pas grand-chose, tes informateurs. L'ironie n'est pas de mise ici. Ici, c'est une prison, et tu es un prisonnier. Alors, parle! Si je te disais la fin qui est réservée à tes compagnons, crois-tu que cela t'aiderait à parler? Je savais très bien ce qui était susceptible de m'arriver. Je préfère éviter de me salir les mains avec un garçon comme toi. Le tribunal de Syracuse te jugera. Ça, c'est un système infaillible. Et les autres parleront bientôt, tu verras. Appelle-moi. Un adolescent, Archimède, pas encore un homme. Il a réussi à débarquer sous un nom d'emprunt, à s'introduire ensuite dans notre cité. Il voulait obtenir des renseignements sur nos défenses, manifestement dans le but de les communiquer à ses chefs à Rome. J'ai cru bon de ne pas le considérer comme un espion quelconque, étant donné son jeune âge et son audace peu commune. Mais conscient cependant des limites de mes prérogatives, j'ai insisté pour qu'il soit directement jugé par toi, parce qu'à toi seul peuvent être reconnues les lumières d'une justice infaillible. Comment t'appelles-tu ? Tu n'as rien à dire pour ta défense? Non. Je haïssais les Romains pour leur amour des conquêtes. Maintenant, je devrais les mépriser pour leur manque d'éloquence. Je propose que cet homme soit condamné à la peine de mort et que la sentence soit exécutée au lever de la nouvelle lune, selon la loi. Tu as bien jugé, Archimède. Les prisonniers ont enfin parlé. En punissant cet espion comme tu le fais, tu punis le chef de la flotte romaine. Ce garçon est Marcus, le fils aîné du consul Marcellus. Mais qu'y a-t-il? Que dois-je faire? Retirez-vous! Ne se lève que dans 2 jours. Tu pourras faire suspendre la condamnation. Tu sais bien que c'est impossible. Mais je dois le sauver coûte que coûte. C'est mon fils.
Il y a là une ambassade romaine, Archimède. Ils apportent une demande pour occuper toute la cité et le port. Ils disent que Syracuse est une base indispensable pour leur légion. Bien, fais-les entrer! Tout de suite. Peut-on savoir quelle contrepartie vous offrez à vos requêtes? Quelles sont vos conditions? Aucune condition ne peut être proposée à qui refuse. La réponse d'Archimède est l'expression de notre pensée. Et bien que Syracuse est une chose. Et nous défendrons notre cité jusqu'à la mort. Tu ignores peut-être qu'en dehors de la question de l'occupation, il y en a encore une plus délicate. La libération immédiate des prisonniers. Un refus de ta part signifierait la destruction totale de Syracuse par la flotte romaine. Non. J'ignorais surtout la valeur que le consul Marcellus accorde à un pacte d'alliance. Votre orgueil insensé vous empêche d'envisager un instant que nous puissions détruire vos navires. On a vu d'autres miracles. Quant aux prisonniers, comme il s'agit d'espions, leur exécution a déjà été fixée selon nos lois. Le fils du consul Marcellus sera exécuté au lever de la nouvelle lune. Jusqu'à ce moment, il ne lui sera fait aucun mal. Vous le trouverez dans sa prison, mais vivant. Si une victoire rapide vous conduit en nos murs avant la date fixée. Non! Nous n'avons rien à ajouter. Ils attaqueront certainement demain. Il faut donner immédiatement les instructions à l'armée et à la population. Mais tu as perdu la raison. Non, mon fils vivra. Il faut qu'avant son exécution, j'arrive à détruire la flotte romaine. Alors je pourrai le garder avec moi, l'avoir enfin à moi. Quand Rome m'aura plié, alors seulement je pourrai lui dire qui je suis. Le seul danger, c'est Rome. C'est l'obstacle entre nous. Il n'y a que Rome qui puisse me le reprendre. Mais je la détruirai. Je détruirai sa flotte, ses hommes et tous ses chefs. En préservant les citoyens de Syracuse de la servitude, je sauverai mon fils. Toi, consul Marcellus. Lucrèce a décidé de venir me rejoindre. Il ne faut pas lui parler de Marcus. Si les dieux nous assistent, peut-être dès demain aurai-je le bonheur de le retrouver vivant. Si Syracuse est inexpugnable sur terre, nous l'investirons par mer. Avant que la nuit tombe, tous les navires doivent être prêts pour le combat. Allez! Hissez les miroirs! L'aube va se lever bien. Non, ne t'inquiète pas, nous serons prêts. Mais ce sera inutile si le soleil refuse de se montrer. Laisse-nous seuls. Qu'est-ce que tu me veux encore ? Maintenant, tu sais qui je suis. Je comprends. Tu m'offres une mort plus douce, n'est-ce pas?
voici quelle sera la formation que nous déploierons devant les murailles, dès que nous aurons dépassé le promontoire qui cache l'accès de la cité. C'est une formation qui implique la première attaque au centre, dans le but de dégarnir les côtés de la défense syracusaine. Ou tout au moins, de faire converger ses coups sur la tour. Ainsi, quand nous serons parvenus à faire concentrer toute l'attention de nos ennemis sur la tour, les embarcations légères, avec les catapultes et les archers, manœuvreront en temps voulu pour se placer à distance utile. Par leur tir continu, elles devront affaiblir la défense de la partie de muraille sur laquelle les hommes de la tour effectueront leur premier débarquement. Après quoi, le reste de la flotte manœuvrera simultanément. C'est tout. Que les dieux nous assistent. Thank you.
Nos miroirs ont vaincu les navires romains. La mer est un bûcher. Mais qu'y a-t-il? Pourquoi ce visage triste? Marcus s'est enfui. Il s'est enfui? Cette nuit. Mais c'est impossible. Je viens d'aller aux prisons. Quelqu'un a dû l'aider à sortir. Il aura rejoint les siens, j'en ai peur. Et alors il était sur un des navires. Et je l'ai peut-être tué? Ce n'était pas du poison. Gorgia m'a sauvé. Mais que lui as-tu promis en échange? Remercions les dieux qui ont permis que je te retrouve vivant. Cette nuit, nos légions entreront dans Syracuse. Mais en rampant comme des rats, sans orgueil et sans gloire. Mais avec tant de morts en moins à déplorer. Tu penses à la gloire, mais pas aux mères, aux enfants. Ils ont brûlé sans hésiter nos navires, nos chairs, avec des miroirs. Ils ne se sont pas battus avec l'épée. Alors je combattrai comme eux. Je ne te demanderai qu'une chose. Il y a un homme à Syracuse qui m'a jugé l'autre jour. Archimède. Il m'a condamné à mort. Je devrais le haïr, mais je ne peux pas. Il y a quelque chose en lui de mystérieux, d'étrange. Comme une profonde et secrète sagesse, une bonté, une sérénité infinie. Si ses paroles étaient cruelles, la voix qui les disait était émue. Et puis, dès qu'il a entendu prononcer mon nom... Qu'a-t-il fait? Il m'a regardé longuement. Et dans ses yeux, il y avait une amertume, une douleur. Et pourtant... C'est difficile à dire. Il y avait aussi comme une lueur de joie. Je ne sais pas bien m'expliquer, mais... Je voudrais le revoir, lui parler. Tu le connais, père? Oui, je le connais. Archimède est le plus implacable de tous les ennemis de Rome. Mais je l'épargnerai. Je donnerai l'ordre qu'on le respecte et qu'on le protège. Mais qui sera garant pour lui? Gorgia. Gorgia? Dans l'intérêt de Syracuse, dans notre intérêt à tous. Essaie de comprendre. Avoue que j'ai pris une initiative raisonnable, c'était la seule chose à faire. Syracuse aurait été occupée de toute façon, un jour ou l'autre. Quant à toi, tu n'as pas à t'inquiéter, J'ai exigé que les Romains... Eh bien, qu'est-ce que vous attendez? Vous devez venir m'aider,
Je suis votre allié. Digne de lui. Son exemple est le symbole du destin de Rome, de sa gloire immortelle. Et cette gloire, nous la porterons de Carthage à Alexandrie, de la Gaule aux colonnes d'Hercule. Et elle continuera à briller sur nos emblèmes pendant les siècles, pendant les millénaires à venir, et rien ne pourra l'arrêter ou l'effacer. Que ce soit la mort, que ce soit le doute amer, ou l'erreur, je recueille aujourd'hui son héritage spirituel et je vous promets que je saurai en être digne. Tu ne dois pas lui cacher cela. Trop tard maintenant. La mort de Marcellus l'a transformé. Je l'ai perdu à jamais. Et moi, que vais-je faire?
Il faudra que je reste partagée toute ma vie entre lui et toi. Marcus n'a plus besoin de moi. Un fils a toujours besoin de sa mère. Lui et l'autre qui est à Rome. Maxime est ici, avec moi. Je l'ai amené sur cette terre. La terre où nous sommes nés. Je veux reprendre la vie où je l'ai laissée. Les rêves ne se réalisent qu'une fois. Le nôtre est fini. Mais tout peut recommencer.